Bienvenue dans le Seigneur, bonsoir et bonjour pour vous qui allez nous visionner le lundi matin en rediffusion. Et donc nous continuons sur notre sujet dont nous avons intitulé l'importance de la prière en langue. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste parler de quelque chose en ce qui concerne les agissements du Saint-Esprit. Et les agissements du Saint-Esprit, nous l'avons divisé en deux périodes, notamment dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit avait une autre manière d'agir. En fait, le Saint-Esprit venait influer sur une certaine catégorie de personnes, notamment les prophètes, les rois, et quiconque recevait de la part de Dieu une tâche bien précise. Mais la Bible ne nous dit pas si dans l'Ancien Testament, il y avait des personnes qui parlaient les langues inconnues. La Bible n'en parle pas. Et donc, c'est pour cette raison-là que nous ne voyons pas l'expression « parler les nouvelles langues ». Lorsque vous parcourez tous les livres de l'Ancien Testament, cette expression n'y est pas reprise pour la simple raison que la Bible n'en fait pas allusion. Mais sachez d'entrée de jeu, vous qui me suivez, que le Saint-Esprit, sa manière d'agir dans l'Ancien Testament était différente. Le Saint-Esprit venait pour influer et réparer. Ce fut le cas lorsque vous allez lire les livres de... Lorsque vous allez lire les livres de Juges, chapitre 25, lorsqu'on parle de Samson, vous remarquerez que Samson, lorsqu'il a été pris en otage par les Philistins, Samson a eu comme l'agitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu agiter Samson en lui donnant la force. Et lorsqu'il a poussé les deux poutres, on a vu le palais s'écrouler. C'était cette manière-là que le Saint-Esprit agissait. Et il en est de même aussi de certains prophètes, notamment le prophète Ézéchiel. Lorsque vous lisez le livre de Ézéchiel chapitre 2, verset 2, il nous est dit que l'Esprit venait habiter dans Ézéchiel. Et quand vous poursuivez votre lecture, vous allez voir aussi que l'Esprit répartait. Et donc, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament ne résidait pas d'une manière permanente. Mais seulement, il y a eu un prophète dont le nom est Joël, qui avait annoncé la venue d'une manière permanente du Saint-Esprit. Quand vous lisez Joël chapitre 2, verset 28 à 29, vous qui avez la Bible Louis Second, et les personnes qui utilisent la Bible Parole de Vie, si vous lisez Joël chapitre 3, verset 1 à 2, il est dit ceci, que au dernier jour, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Et donc, le prophète était déjà en train de prédire qu'il y aura un moment où le Saint-Esprit va habiter dans l'homme d'une manière permanente. Et donc, ce que je voulais que vous puissiez retenir avant que nous rentrions dans notre vif du sujet. Marc, chapitre 16, verset 17, et nous allons de nouveau reprendre notre Bible pour lire Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, et puis nous lirons aussi également 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Et donc nous allons lire, je vous invite à lire, vous qui me suivez, partout, en France, en Belgique, au Congo, aux États-Unis, au Canada, vous qui me suivez, je voudrais vous inviter à lire avec moi. Nous allons lire d'abord notre premier verset. J'utilise la version Parole de Vie. Nous commençons par Marc.
Marc chapitre 16, verset 17. Marc 16, verset 17. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Verset 17. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront les langues nouvelles. Nous continuons toujours la lecture de la Bible. Nous allons lire cette fois-ci Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Tous posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donnait de faire cela. Et nous sautons ces versets, nous prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Le premier épître des Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Si quelqu'un parle en langue inconnue, il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. Personne ne le comprend. C'est avec l'aide de l'Esprit Saint qu'il dit des choses mystérieuses. Et donc, comme je vous ai dit, c'est ça notre matière d'aujourd'hui. Sachez que, bien-aimés, vous qui me regardez, je voudrais vous dire que, parce que nous avons divisé les agissements du Saint-Esprit en deux périodes, dans le Nouveau Testament, notre époque, le Saint-Esprit est apparu pour la première fois les jours de la Pentecôte. En d'autres termes, je veux dire ceci, que la venue d'une manière permanente du Saint-Esprit, c'était les jours de la Pentecôte. Nous sommes déjà dans le Nouveau Testament. Il est dit ceci, mais pour vous remémorer, je voudrais vous dire ceci, que le Seigneur Jésus, avant qu'il s'en aille, il avait dit un certain nombre, ce que moi je qualifie de ses dernières volontés. Lorsque vous lisez le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, le Seigneur Jésus disait que voici les miracles qui accompagneront les personnes qui croiront en son nom. Et il a dit, ils chasseront les démons, et il a rajouté quelque chose de très important. Ils parleront les nouvelles langues. Comme je vous ai dit dans la première émission, nous allons prendre les expressions de la Bible. Et donc, dans la Bible, il est dit, ils parleront des nouvelles langues. Et le mot « nouvelles langues » est apparu pour la première fois dans le Nouveau Testament. Et donc, je voudrais aussi vous dire que 50 jours après la crucifixion de notre Seigneur Jésus, lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, vous allez voir que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres de ne pas se déplacer, d'y rester parce qu'ils vont recevoir une puissance, et cette puissance-là, ça s'appelle le Saint-Esprit. Et cela fut une chose effective 50 jours après sa crucifixion. Le Saint-Esprit a fait irruption avec fracas sur la terre. Et il a résidé d'une manière permanente. Et c'est là, les apôtres ont pour la première fois été baptisés par le Saint-Esprit. Je voudrais te dire, toi qui me suis, que le Saint-Esprit, on ne sait pas le voir avec nos yeux physiques. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir, mais on ne peut que voir les manifestations du Saint-Esprit. Et l'une des manifestations du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et lorsque vous lisez bien ces versets, Actes des Apôtres, vous allez voir que les gens n'ont pas vu le Saint-Esprit physiquement. Mais la Bible dit, ils ont entendu les personnes qui parlaient des langues inconnues. C'était ça leur manière de voir la manifestation du Saint-Esprit. Mais parce que nous sommes en train de parler en langue, je voudrais vous dire que cette expression
est sorti des lèvres de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui a prononcé pour la première fois le mot « parler les nouvelles langues ». Mais ce concept, qu'est-ce que ça veut dire « parler les nouvelles langues » ? Je voudrais te dire, toi qui me suis, que cette expression « parler des nouvelles langues » renferme trois composantes. Dans cette expression, il y a trois composantes. Il y a d'abord la première composante qu'on appelle la prière en langue. Mais je veux vraiment que tu me prêtes ton attention. Parce que, comme je l'ai dit, ce sujet prête beaucoup de controverses. L'expression « parler des nouvelles langues » renferme trois composantes. Il y a la prière en langue, et je vais vous dire pourquoi. Dans l'expression « parler de nouvelles langues », il y a la première composante, c'est la prière en langue. La deuxième, c'est le message en langue ou don des langues. Et certains disent aussi diversité des langues. C'est la deuxième composante. Et la troisième composante, c'est le ministère public du parler en langue. Mais je voudrais développer d'abord la première composante de l'expression parler le nouvelle langue. La première composante, comme je vous ai dit, c'est la prière en langue. Mais vous savez, lorsque la Bible nous dit, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, la Bible dit ceci: lorsque une personne est en train de parler, le parler qu'on utilise là, ça veut dire prier en langue. Cette prière là, c'est comme nous la faisons en intelligence, c'est comme nous avons l'habitude de prier en intelligence, mais seulement vous la faites à des langues inconnues. Souvenez-vous, lors de notre première émission, nous avons dit que lorsqu'une personne est en train de parler en langue, les mots que cette personne sort de sa bouche, ces mots viennent du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui donne les mots. Et lorsque une personne est en train de prier, il parle des choses dans une langue que personne ne peut comprendre. Je voudrais rendre ça beaucoup plus fluide, rendre ça beaucoup plus compréhensible. Vous savez, à Kinshasa, je sais que les Kinois me suivent parce qu'ils regardent beaucoup l'émission Prêchons la Parole. À Kinshasa, à une certaine époque, on avait, surtout chez les filles, ils avaient développé une langue. Lorsqu'ils voulaient converser et qu'ils n'avaient pas envie que les gens puissent comprendre ce que les filles disaient, ils avaient développé une certaine langue, en fait, pour parler d'une manière secrète. Et cette langue-là, des fois, à cette époque-là, on était encore au Kin, il y a les filles qui parlaient Yonzingi, Manzingi, Kanzingi, Kenzingi, Kenzingi. Donc, en fait, ce n'est vraiment pas pareil. Mais c'est une langue pour converser. Les filles utilisaient ça lorsqu'ils veulent dire des choses secrètes. Et la personne qui était près d'eux ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas savoir qu'est-ce que les filles étaient en train de dire. C'est un peu ce genre-là. La prière en langue, on prie, mais en utilisant une langue, l'alphabet et le vocabulaire que vous sortez de votre bouche vient du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, lorsque nous prions comme ça, il n'y a que Dieu qui sait, il n'y a que Dieu qui vous entend, il n'y a que le Seigneur qui comprend. La personne qui est près de vous ne sait pas ce que vous êtes en train de dire. Et vous-même qui êtes en train de parler en langue, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a que Dieu. Parce que c'est un mystère. Actuellement, d'ailleurs, à Kin, il y a une autre langue qu'on a développée, juste pour rendre certaines conversations secrètes. On appelle ça les langues. Vous savez, vous allez voir les jeunes garçons qui sont en train de dire Azarias Tangaïngaï. Marampan. Vous ne comprenez pas. Mais c'est une manière de converser, mais qui, bon, les garçons le font d'une manière secrète. Un peu c'est la prière, un peu ce genre-là, la prière en langue. Mais que ce soit Yonzingi, Manzingi, Kenzingi, ou les Langila, c'est une langue que les hommes ont inventée. Mais la prière en langue, l'homme n'a pas inventé ces mots. L'homme n'a pas
l'alphabet de la prière en langue. Un être humain n'a pas le vocabulaire de la prière en langue, si ce n'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons, si déjà nous pouvons répondre à la question, parce que nous avons dit, est-ce que le diable parle-t-il en langue? Non. Nous répondons en disant non, le diable, il ne parle pas en langue. Il ne peut pas parler en langue. Parce que dans la première émission, nous avons dit, pour prier en langue, il faut être baptisé par le Saint-Esprit. Lorsque vous lisez Marc chapitre 16, verset 16 jusqu'à 17, la Bible dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé. Celui qui croira, c'est-à-dire le salut, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on parle de qui sera baptisé, on veut parler du baptême d'eau, qui est le baptême de Jean-Baptiste. Et ensuite viendra le baptême du Saint-Esprit. Et donc, c'est ça le menu de la prière en langue. C'est ça les conditions de la prière en langue. Est-ce que le diable voudra recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Non. Est-ce que le diable voudra être baptisé d'eau? Non plus. Est-ce qu'il voudra que le Saint-Esprit puisse le baptiser? Non également. Et donc, il ne peut pas parler en langue. Les gens, j'entends les gens qui disent « Le diable parle en langue », c'est autre chose. Ce n'est pas la prière en langue. La prière en langue, c'est un apanage du Saint-Esprit. Et comme le diable ne peut pas être baptisé par le Saint-Esprit, il ne parle pas en langue. Là, sans doute, il n'y a pas d'équivoque. Est-ce qu'il comprend? Nous disons non. Parce que, je sais, vous allez vous dire là où vous êtes, mais la prière en langue, c'est une prière qui est faite par l'esprit. Ok, le diable est un esprit. Ok. Mais seulement, je voudrais vous dire, dans l'homme, l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Si l'homme qui a aussi un esprit en lui ne comprend pas, vous croyez que le diable peut comprendre? C'est au-dessus de lui. Lorsque moi je suis en train de dire Yokoche karamanda ya karaba shekete yokobo ikasa kamana ya kabago rekasa karamanda ya kaba shika ya kabako, le diable ne comprend pas. Et moi qui est en train de prier, je ne comprends pas. Mais la seule chose que je peux vous rassurer, vous qui me suivez, que le Seigneur Jésus qui nous a appelés, vous et moi, comprend exactement ce que je veux dire par là. Parce que je suis en train de prier en esprit. La Bible nous dit ceci, que lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit, faites en tout temps par l'esprit. Je suis en train de prier par l'esprit. Et cette prière-là, le diable ne peut pas le comprendre. C'est une prière secrète. Voilà pourquoi je voudrais déjà te dire, parce que nous sommes en train d'analyser la première composante de parler en langue. Et donc, cette composante a des avantages. Parce que c'est une prière, comme nous la faisons en intelligence, mais seulement nous la faisons à des langues inconnues. Les avantages que cette prière, de la prière en langue, c'est que, le premier avantage, c'est que la prière en langue vous ouvre les portes vers le don du Saint-Esprit. La Bible dit ceci, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, la Bible dit, parce que moi, je vous ai dit que j'utilisais la version parole de vie. La Bible dit ceci, poursuivez l'amour, mais aussi aspirez au don spirituel. La Bible nous encourage à non seulement à avoir l'amour, mais aussi à avoir le don du Saint-Esprit. Et la prière en langue, c'est une prière qui vous ouvre la porte vers les dons du Saint-Esprit. Il y en a 9. Le Seigneur nous donnera encore une occasion où nous allons en parler. Mais ce n'est pas l'objet de notre enseignement pour aujourd'hui. Mais sachez, vous qui me suivez au Maniema, vous qui me suivez en France, vous qui me suivez partout, sachez déjà que lorsque vous priez en langue, c'est une porte qui vous est ouverte pour avoir les dons du Saint-Esprit. Parce que les dons du Saint-Esprit, la prière en langue, c'est le Saint-Esprit qui vous donne les mots. C'est le Saint-Esprit qui détient l'alphabet et le vocabulaire. Et les dons, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui est dispensateur des dons. Et donc,
Là, cette porte-là vous est déjà ouverte. Voilà pourquoi vous allez remarquer que toutes les personnes qui prient en langue, ils ont les dons du Saint-Esprit. Parce que c'est la même personne qui donne les mots et qui donne les dons. Ça, c'est le premier avantage. Le premier avantage. Le deuxième, c'est que lorsque vous priez en langue, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie. Le verbe édifier qu'on est en train de dire. En d'autres termes, on veut dire ceci, qu'une personne qui prie en langue nourrit son esprit. L'esprit doit être nourri. Et la seule manière de nourrir l'esprit, c'est de prier en langue. Voilà pourquoi c'est très, très important. Nous allons répondre à une question que nous nous sommes posée. Est-ce que la prière en langue est obligatoire? Nous disons oui. Pour toutes les personnes qui ont été baptisées par le Saint-Esprit, la prière en langue est une obligation. Ils doivent prier en langue, mais aussi en intelligence, comme cela est recommandé dans la Bible. Et donc, vous qui avez été baptisés, mais vous vous limitez seulement. Quand je parle du baptême, je veux dire le baptême du Saint-Esprit. Vous qui avez été baptisés par le Saint-Esprit et que vous vous limitez seulement à prier en intelligence, vous devez aussi prier en langue parce que c'est une obligation. La Bible nous dit, faites en tout temps par l'Esprit différentes prières. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prier en langue. C'est une prière secrète. La troisième, ou je vais dire, le troisième avantage, c'est que pour nous, intercesseurs de l'Église, même pas intercesseurs ou intercesseurs de l'Église, mais pour nous qui prions, la prière en langue, c'est une arme efficace pour combattre. Parce que lorsque nous prions en intelligence, le diable nous écoute et il peut pouvoir se positionner par rapport à nos stratégies. Mais lorsque nous commençons à prier en langue, il ne saura pas quelle stratégie que nous voulons adopter. Voilà pourquoi il faut que nous prions en langue. Je voudrais m'adresser aux personnes qui ont été baptisées par le Saint-Esprit. Je sais, vous qui m'avez suivi dans ma province, le Maniema, je sais déjà que le Seigneur vous avait fait grâce, vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Mais il faut prier en langue. C'est très important. La deuxième composante. Mais avant d'arriver à la deuxième composante, je voudrais dire, pour prier en langue, la prière en langue n'est pas un don. J'entends les gens dire que la prière en langue est un don. Je dis non, la prière en langue, telle que je viens de vous dire, telle que nous venons l'analyser à la lumière des Écritures, n'est pas un don. La seule chose qu'on doit faire, est-ce que pour recevoir Jésus-Christ, il faut avoir une aptitude spécifique? Parce qu'un don, c'est une aptitude spécifique pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un don? Nous disons non. Est-ce que pour être baptisé d'eau, nous avons besoin d'avoir un don? Non plus. Pour demander au Saint-Esprit de venir vous baptiser, est-ce que nous avons besoin d'avoir un don? Non. C'est-à-dire, la prière en langue, la première composante, n'est pas un don. Voilà pourquoi, si vous voulez être baptisé, il faut le demander. Et le Saint-Esprit viendra. Vous allez être baptisé. Donc, sachez déjà que la prière en langue n'est pas un don. Quant à ce, nous voulons parler de la deuxième composante, qui est le message en langue. Mais, dans la première composante, c'est l'homme qui s'adresse à Dieu. Parce que c'est l'homme qui prie vers le ciel. Mais dans la deuxième composante, c'est-à-dire le message en langue, ou diversité des langues, ou dans des langues, la deuxième composante, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme. Là, dans ces cas précis, je veux que tu me prêtes ton attention. Le message en langue, c'est un don. Parce qu'il y a, lorsque vous lisez les 9 dons du Saint-Esprit, il y a un don qu'on appelle don des langues. Et donc, je veux te dire ceci, que le message en langue, c'est Dieu qui s'adresse à l'homme. Et donc, une personne qui est en train de prier, Yokoroche karamanda yakaba, she karamanda yakabako, yondoche kete yakaba, rakasa, cette personne-là, Dieu veut s'adresser, Dieu, parce que la prophétie
La prophétie édifie l'église. Dieu veut édifier la personne qui est en train de prier. Ou Dieu veut édifier l'église. La personne qui est en train de prier, la personne qui prie peut, Dieu peut lui faire grâce d'avoir l'interprétation de ce qu'il est en train de prier. Et le message en langue plus l'interprétation, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Et la prophétie, comme je vous ai dit, c'est un don. La prophétie. Non seulement la prophétie, c'est un don. Et donc le message en langue, c'est un don que le Saint-Esprit donne. Et comme j'ai dit, quand j'ai parlé des avantages, ça fait partie des avantages de la prière en langue. Pour la simple raison que c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui donne le don. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez dans les livres des Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de dire que c'est lui qui parle en langue. Il disait que c'est lui qui, en d'autres termes, il voulait dire que c'est lui qui donne un message en langue. Il doit prier pour avoir l'interprétation. Au cas contraire, qu'il s'était. Mais je voudrais te dire qu'une prophétie, lorsque une prophétie sort, elle sort toujours sur une langue, la prophétie sort sur une langue connue. On ne peut pas prophétiser en langue, parce que la prophétie édifie l'église. Si on ne comprend pas ce que vous êtes entré, ce que Dieu est en train de dire, ça n'édifie pas. Voilà pourquoi, lorsqu'on donne un message en langue, soit Dieu fait la personne qui a le message, il lui fait la grâce d'interpréter, ou le Seigneur peut faire grâce à une personne qui est dans la salle d'interpréter le message. Et c'est ce qu'on appelle la prophétie. Et donc, sachez que la deuxième composante de la prière en langue, c'est un don du Saint-Esprit. Là, il faut avoir une aptitude spécifique. Mais je vous ai dit, si vous priez en langue, cela sera, le Seigneur vous fera grâce. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le dispensateur des dons. C'était la deuxième composante de l'expression parler les nouvelles langues. La troisième, c'est le ministère public du parler en langue. Mais bien aimé, là-dessus, il y a aussi des controverses. Parce que lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30b, la Bible nous pose une question. Est-ce que tous parlent-ils en langue? Est-ce que tous sont-ils de prophètes? C'est une question. Et lorsque vous lisez attentivement ces versets, nous avons tendance à répondre par, quand on dit est-ce que tous parlent-ils en langue? Et surtout que dans nos églises actuelles, il y a un groupe qui prie en langue et il y a d'autres qui ne prient pas. Et donc nous avons, à première vue, nous avons tendance à dire non. Amen. Mais je voudrais attirer votre attention, vous qui me suivez. C'est que lorsque vous parcourez la Bible, il y a 9 versets. Je voudrais l'énumérer pour que tu saches qu'il y a 9 versets qui soutiennent la prière en langue. Le premier verset, c'est Marc chapitre 16, verset 17. Le deuxième verset, c'est Actes des Apôtres chapitre 10, verset 44 à 46. Le troisième, c'est Actes des Apôtres chapitre 19, verset 16. Quatrième verset, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Sixième, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Septième, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Huitième, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. Et le neuvième verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. Bien, les 9 versets qui soutiennent la prière en langue. Il n'y a que